aura beaucoup de mal à esquiver un chevalier qui de toute façon a la longe. Je vois d'en haut, il y avait un cheval, je vais l'esquiver à la fin. Et tu ne la perdras pas de vue. Autre solution par Nicolas. Alors la deuxième méthode, là je vais travailler de haut en bas. Hein, tu vas me donner un grand point de pénétration. J'aime pas la pénétration. Ça me donne un voilà, le café est sans milieu. Il a dit oui. Voilà, je vais encore être habillé. Vous avez noté le petit mouvement de retrait, hein? Ça c'est pour pouvoir recommencer plusieurs fois. Ah, vous comprenez? Oui, parce qu'on peut recommencer. Ah bah oui, plusieurs fois. Parce que si on avait tapé trop fort, voilà ce qui pourrait se passer. Quand on rate la cible, le sanglier s'en empare. Ah, en même temps, le sanglier est manqué, on n'a pas besoin de la peine. Il y a maintenant qu'il y a manqué, on a réussi de faire comme ça, il faut que c'est dedans. Grand sanglier boisseau, tu fais quelque chose avec les arbres que tu trouves à disposition. Voilà. Oh le gros, viens t'en parler. Alors déjà là, tu ne devrais pas parler comme ça au métier, tu comprends? Oh, alors, je peux faire un truc là, mon quoi. Ah ouais, on va pas faire ça. C'est mon angor, tu ne laisses pas traîner dans le sable. Tu le reposes, s'il te plaît. Hein? Tu le reposes, s'il te plaît. Ça va. Voilà. D'accord. Ça, c'était une réaction normale de piéton, messire. C'est ça. Quand on sort d'un piéton, il s'enfuit, il se carapace, il disparaît, il se volatilise, il se tarpille. Sinon, il est écrabouillé façon puzzle. Moralité, quand vous voyez des rangées de piétons qui ne bougent pas quand on les charge, soit c'est un film, soit c'est une ruse de piétons. Et là, faut pas y aller. C'est là. Pour une fois qu'il y a un chevalier qui nous vient me pourrir, non, pas de démon, ça pousse. Alors, il faut pas que ça s'arrête. On l'a fait tout à l'heure sur la selle. Ah, ça ne passe pas non plus parce que ça mord. Derrière, ça pète et ça... De votre côté gauche, là, il n'y a pas d'arbre. Oh, oh, oh. Alors là, vous avez le droit d'encourager Alain. C'est là où on remarque la fatigue du taureau au combat. Vous voulez un combat d'épée? Oui! Alors messieurs, combat d'épée! Bah écoute, pourquoi pas, moi je veux bien, mais... Vous l'aurez voulu! Ça me paraît un peu ridicule! Ah ouais, mais j'ai vu les gens, vraiment, ouais! Ah bah c'est sûr!
Pour Nicolas Crèvecœur, l'homme. Non, 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 pas meilleur. Et enfin, où la